Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmin Abdel -Fadel. Fin de session parlementaire aujourd'hui, une session parlementaire qui a été assez, assez mouvementée entre les grèves, entre des projets de loi qui étaient importants, des pièces législatives importantes. Aujourd'hui, donc, c'est une journée de bilan. Chaque Parti politique représenté à l'Assemblée nationale tient son bilan, essaye de marquer ses coups, euh, de nous rappeler c'est quoi les bons coups qu'ils ont fait, c'est quoi les, bons, les mauvais coups que l'opposition ou l'adversaire politique a fait. Euh, mais je pense que ça n'a pas été une bonne session parlementaire pour personne à part pour le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Je pense qu'on devrait s'entendre là-dessus. Les, euh, les libéraux, ils ont pas, euh, ils se sont pas vraiment distingués par une stratégie qui les mettrait à l'avant-plan. Ils ont l'air d'un petit peu être perdus. Euh, la, CAQ, ben, la CAQ, on a t encore besoin d'en parler? Je pense qu'ils sont ces rotules, euh, cette fin de session parlementaire-là. D'autant plus qu'ils imposent un baillon pour l'adoption du projet de loi 15. Ils ne sont pas capables de nous expliquer, par contre, pourquoi besoin du baillon? Euh, ils ont décidé que c'était assez, assez, on l'a assez étudié, là. Maintenant, il faut l'adopter. Merci, bonsoir. Le euh, Québec solidaire, ben, ça a été un petit peu tough pour eux. Pour quelles raisons? Parce qu'il y avait des divisions à l'interne, notamment dues à cette course aux porte-parole-là. Mais euh, ils vont pouvoir tourner tous ensemble euh, la page de 2023 et, et commencer déjà à réfléchir, là à planifier ce qu'ils veulent pour 2024, ce qu'ils veulent marquer auprès de la population comme point politique, les menaces qu'ils qui, euh, qui, qui doivent éviter, là, les pièges politiques qu'ils doivent éviter. Euh, Je pense qu'il y a certains regrets de la part de la coalition Avenir Québec sur la manière avec laquelle certains dossiers ont été menés, mais trop tard. Trop tard. Noël est à nos portes. Et euh, les, su les sujets de discussion euh, politique autour de la dinde vont probablement tourner autour de la déconnexion caquiste, de l'incompétence libérale, de l'aplaventrisme solidaire et de la résurgence péguiste. Bienvenue à Cube.